Bonjour tout le monde, alors bienvenue à cette nouvelle microcapsule qui a pour but cette fois-ci de vous montrer comment réclamer vos tokens DAISY qui sont disponibles. Dans la vidéo précédente, nous vous avons montré comment ajouter le token DAISY sur votre portefeuille Tronlink. Maintenant, je vais vous montrer comment aller réclamer les tokens DAISY qui ne sont plus bloqués. Alors pour ce faire, j'ai été chercher moi le lien qui permet de débloquer ces DAISY tokens. Vous le retrouverez en bas de cette vidéo justement pour vous avoir plus facile. On vous l'a mis en commentaire de cette vidéo. Donc, je vais aller dans Discover pour aller évidemment dans comme pour tout. Et ici, je colle simplement l'adresse que j'ai été chercher. Vous voyez, hop, et je me connecte. Là, vous allez pouvoir voir s'afficher le nombre de tokens que vous avez qui sont bloqués. Et en dessous, il vous indique la quantité qui est disponible. Dans mon cas, 6.512 tokens DAISY. Il faut savoir que ce montant augmente continuellement. Pourquoi ? Parce que pendant les 90 premiers jours, vous recevez 5% étalé en 90 jours. Tout au long de la journée, ça augmente tout simplement pour vous donner une partie accessible pour pouvoir les revendre. Comme c'est indiqué juste ici en dessous, en anglais évidemment, comme tout chez DAISY. Vous voyez en grand et en large le bouton pour pouvoir les réclamer. Vous appuyez simplement dessus. Moi, voilà. Il vous demande de confirmer ce qu'on va faire de suite. Il va vous demander votre mot de passe. Ok. Ensuite, vous voyez, il est en train de procéder à la réclamation et voilà, vous voyez clairement que je n'ai plus de token DAISY disponible pour être réclamé à l'heure actuelle. J'attends patiemment, mais si on regarde ici, voilà, vous voyez que je l'ai reçu sur mon portefeuille Tronlink. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir et revenir sur mon portefeuille Tronlink et vous voyez, ils sont apparus. Maintenant que nous avons nos tokens DAISY, ce qui nous intéresse, c'est évidemment de les transformer, que ce soit en USDT ou en TRX. Alors, pour ce faire, on va tout simplement aller, comme vous pouvez le voir en dessous du grand carré bleu où il y a les informations concernant mon portefeuille, il y a Send, Receive et Swap, le bouton vraiment au milieu. Donc, c'est celui sur lequel je vais cliquer. Ici, on voit les différents marchés pour transformer les TRX en USDT, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est juste en dessous, le Just Swap. C'est là-dessus qu'on va aller cliquer. Voilà. Alors ici, on va devoir aller coller l'adresse du token DAISY. Donc à côté du TRX, vous voyez, il y a une petite flèche, je clique dessus. Et là, je colle l'adresse du portefeuille DAISY. Ensuite, je sélectionne le token dans lequel je veux. Tout simplement, moi, je souhaite le faire en USDT. Je vais mettre la totalité et vous voyez qu'il me donne instantanément le montant estimé pour la transaction que je devrais recevoir. Et vous cliquez simplement sur Swap. Évidemment, il vous demande de confirmer avec votre mot de passe. La transaction a été approuvée et maintenant elle est en attente. Il me demande de confirmer ce que je fais. Une nouvelle fois, le mot de passe. Ils veulent être sûrs que vous vouliez vraiment les transformer et pas les garder. Et voilà, si on regarde bien, il est en attente de confirmation. Et voilà, ça a été confirmé, transféré. J'ai donc reçu 32,988 USDT. On ressort d'ici. Si je vais ici, en effet, mes tokens ne sont plus là et j'ai bien reçu des USDT. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à déjà réclamer vos tokens et ensuite les transformer en USDT ou en TRX. C'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Et je vous dis à très bientôt.